Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez donc beaucoup de liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire. N'hésitez pas à cliquer dessus. Alors, le Quintée Plus de ce samedi 2 juillet aura lieu sur l'hippodrome d'Enghien. Ce sera la Réunion 1, hein, réservée bien entendu aux trotteurs. Ce sera la troisième course du programme, le Prix du Roussillon, qui sera à support de cette course événement. Une compétition réservée à des chevaux d'âge, hein. 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 246 000 euros. Ils seront 15 au départ, 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'Autostar. Donc voilà une course qui est prévue aux alentours de 15h15, une course européenne. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'étrangers, hein, commencer par le numéro 2 Zelov par exemple. En tout cas, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans cette épreuve, j'ai retenu en tête un cheval qui s'élance en deuxième ligne, ce sera le numéro 13, Forback. La dernière fois c'était vraiment pas mal, hein. Il est 6ème sur un parcours de vitesse, mais il a pas eu un bon parcours, c'était du côté de Vincennes. C'est un cheval qui courait en plus la dernière fois, même les deux dernières fois, hein, avec ses cadets, hein. Il courait avec des 6 ans, des jets de qualité. Il y avait par exemple Garibaldi qui était au départ. Donc voilà, il a eu un parcours un petit peu le nez au vent comme ça, mais bon, il trottait une 10 ses fractions sur un parcours de vitesse, c'est vraiment un chrono excellent. C'est l'un des 7 ans de cette course, hein. Ils sont que deux au départ, ils sont en deuxième ligne maintenant. Je pense qu'avec l'absence des 6 ans, ces deux concurrents ont vraiment une bonne carte à jouer. Surtout ce numéro 13, Forback, qui sera déféré des 4 pieds. L'avant-dernière fois, c'était vraiment bien, et également du côté de Mêlée du Maine. Il courait de belle manière, il terminait 4ème dans une course remportée par Fakir de Maël. Il y avait encore les cadets dans cette épreuve, encore une course européenne. Donc voilà, il est vraiment compétitif dans ce type de compétition. Et je pense que sur ce parcours, il est vraiment capable de lutter pour la victoire malgré son numéro en seconde ligne. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Izimaza. Alors lui, c'est vraiment un cheval qui présente beaucoup de garanties. Il vient de s'imposer, c'était du côté de Marseille, sur une distance de 3000 mètres. Hein. C'est vrai que d'habitude, on le voit sur des parcours un peu plus réduit en tout cas. Moi, je le préfère sur plus court et cette distance de 2150 mètres va vraiment jouer en sa faveur. J'ai regardé, hein, il a couru une seule fois sur ce parcours, il s'est imposé. C'était il y a 4 ans maintenant, ça remonte, mais c'est un cheval qui, comme vous le voyez, est quand même assez régulier. Déféré des 4 pieds, bien engagé avec ce numéro 4 derrière l'autostart. Voilà, Romain Derieux est assez confiant, je pense qu'il a vraiment tout du profil de point d'appui très solide. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Erasme Williams. Alors lui, c'est vrai que vous regardez ses dernières sorties, c'est assez moyen. Il a été disqualifié, 6ème, disqualifié, 6ème, disqualifié. C'est pas extraordinaire. Maintenant, c'est un cheval qui a vraiment couru des lots très intéressants. Il sera une nouvelle fois déféré des postérieurs, hein. La dernière fois, il a été disqualifié alors qu'il aurait certainement fait l'arrivée. Et puis, ce qui m'interpelle, c'est que son entraîneur fait appel à François Lagadec. C'est vrai qu'en général, Philippe Dejard a tendance à driver lui-même ses pensionnaires. Il leur donne un parcours en général aux petits oignons pour pas trop les fatiguer. C'est vrai qu'en faisant appel à un pilote, on peut s'attendre à une course un peu plus offensive. Je vous le dis, malgré ses 8 ans, je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer parce qu'il est dans sa catégorie. Il a un bon numéro derrière la voiture et attention à lui, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une très belle performance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, c'est Burton. Alors, je suis pas fan de Junior Gelpa et de ses smileys rouges. Maintenant, la dernière fois, c'était vraiment extra. Il court rapproché, il a couru la semaine dernière sur un parcours de vitesse. C'était du côté de Vincennes, il venait en 4ème épaisseur. Il a pris la tête pour aborder le tournant final, mais il s'est perdu dans ses allures, il s'est montré fautif. Donc voilà, un cheval qui a quand même montré sa forme à cette occasion. On fait appel à Gabriel Legermini, ça aussi, ça m'interpelle. Voilà, une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Bon, voilà, rien à ajouter. S'il se montre sage et que Gabriel Legermini lui donne le parcours qu'il faut, il a tout à fait le droit d'être dans le coup. Ensuite, en cinquième position, le numéro 10, Gustafsson, qui revient sur notre sol. Un cheval qui a vraiment montré des moyens intéressants et qui est en grande forme, comme vous le voyez, il reste sur des bonnes performances. La dernière fois, c'était au trot monté, c'était du côté de Solvalla. Il a quand même terminé deuxième de Florida Sport sur le mile en trottant une 10. C'est vraiment un très bon temps, surtout pour un cheval âgé de 9 ans. Donc un concurrent qui est en forme. La fois précédente, il est battu, je crois, par Officer Stephen du côté en Allemagne, il me semble que c'était. Et la performance est également intéressante parce qu'Officer Stephen, c'est vraiment un bon cheval. Voilà, Gustafsson, il est venu sur notre sol il n'y a pas très longtemps. L'année dernière, il s'était imposé. Je crois que c'était du côté du Mans. C'est un concurrent qui va partir en deuxième ligne. Il faudra qu'il ait le bon parcours. Mais je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une place à ce niveau de compétition, d'autant qu'il sera à déférer des antérieurs. On effectue le déplacement, je pense, avec quelques ambitions.
En sixième position, j'ai retenu l'as DiMaggio. Lui aussi, c'est un profil qui me plaît tout particulièrement. La dernière fois, il n'est que huitième. Maintenant, il n'a pas eu un parcours très évident. Il s'est retrouvé en épaisseur. Il a quand même fait preuve de courage, hein, dans la phase finale, pour conserver cette huitième place. Là, avec l'as au départ, ça me plaît particulièrement parce qu'il va avoir un parcours caché. Il ne va pas faire d'efforts superflus durant le parcours. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, hein. C'est vrai que l'an passé à Paris Époque, il a aligné les victoires et les bonnes performances. Du coup, il est monté en gain. Il a moins de marge, hein. Mais je pense qu'avec Brian Koppens, qui le connaît parfaitement, et ce numéro 1 derrière la voiture, il a vraiment une belle carte à jouer. Il découvre en gain. Mais ça ne m'inquiète pas, il a bien fait sur l'hippodrome de Cannes. Du coup, les pistes plates, ça lui plaît. Donc attention à ce numéro 1, à DiMaggio, qui est capable de créer une belle surprise. En septième position. La deuxième, 7 ans, une belle jument Zantebride italienne. La dernière fois, c'était pas si mal que ça, hein. Elle était 8e, comme vous allez le voir, c'était ici, le 2 juin à Melle-et-Dumaine. La course au Forbach terminait 4e, hein, avec des 6 ans au départ. Une épreuve européenne qui était vraiment bien composée, déjà associée à David Thomas. Elle déméritait pas, hein, ça avait été vraiment vite, hein, sur ce parcours de 2600 mètres, ça avait trotté 12 effractions. Je pense que c'est une jument qui va apprécier le profil de la piste d'Enghien. Elle a déjà gagné sur la piste de Vincennes sur 2100 mètres. Donc voilà, c'est une jument de vitesse, c'est une italienne. En général, les chevaux italiens adorent les parcours réduits. Ça ne va pas aller à l'encontre de ce sens avec cette Zantebride. Et malgré sa situation en deuxième ligne, je pense qu'elle est vraiment capable de jouer un rôle très intéressant. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 5 de la Chènevière. Vous le voyez, c'est pas extraordinaire les dernières fois. Maintenant, elle n'a pas toujours eu des parcours faciles. Elle rendait soit 25 mètres, soit elle s'est lancée en seconde ligne. Donc, en général, elle affrontait quand même des lots assez relevés. Elle sera plaquée des antérieurs. J'ai regardé, plaquée des antérieurs sur ce parcours. Elle a déjà fait l'arrivée, je crois, troisième. Voilà, je vous le dis, l'engagement est vraiment intéressant. N'ayant pas gagné 246 000, elle a 244 040 €. Donc, vraiment une situation qui est vraiment avantageuse pour une fois, et je pense que ça peut lui permettre de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Et voilà, en cas de non partant, le numéro 15, Aimancourt Bleuquin. Pour ne rien vous cacher, je l'aurais certainement retenu en 5e ou 6e position s'il n'avait pas ce numéro 15 derrière la voiture. On sait très bien qu'un numéro à l'extérieur en seconde ligne à Enghien, c'est rédhibitoire pour faire l'arrivée. Maintenant, c'est un bon cheval. Il apprécie cette piste. Il est déféré des quatre pieds, ce qui ne lui arrive pas souvent. Donc attention, c'est un regret. Mais s'il venait à bénéficier d'un parcours favorable, il serait tout à fait capable d'arracher une 4-5e place. Voilà pour cette sélection. On va faire un petit récapitulatif de ce choix avec le 13, le 4, le 3, le 6, le 10, l'as, le 12 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 15. Voilà, vous savez tout, ce sera donc la réunion à course 3 prévue à 15h15 sur l'hippodrome d'Enghien. Vous le savez, nous sommes partenariat avec le site PMU.fr. Vous pouvez cliquer sur les différents liens qui sont sur notre site turf-fr.com pour accéder à votre compte ou tout simplement créer un compte PMU et bénéficier d'une offre allant jusqu'à 200 € avec votre premier dépôt qui sera doublé. Moi, comme conseil de jeu, je vous conseille de peut-être faire un combiné. C'est vrai que c'est une course qui est assez ouverte. Avant le coup, même le numéro 8 d'Ed Belouet, je l'ai pas retenu. C'est un concurrent qui aime aller de l'avant. Il est capable d'aller loin s'il garde une place. Donc, enfin voilà, c'est vraiment comme pour vous le dire, c'est un deuxième regret, mais c'est pas forcément évident, donc n'hésitez pas à faire des combinés. Si vous voulez prendre des bases, le numéro 4, Izimaza, avant le coup, je trouve vraiment que c'est une base très intéressante parce qu'il aime ce parcours, il est bien placé. Forbach, je pense aussi que j'ai retenu en tête, c'est une bonne base. Lui, il aura besoin du parcours pour gagner, je le pense capable de lutter pour la palme. Faudra que ça se passe bien, en tout cas, pour ceux qui aiment les bases 13 et 4 que j'ai retenu en tête. Et peut-être là, c'est une base spéculative qui peut être vraiment amusante. Voilà, pour ceux qui aiment les outsiders intéressants, ce numéro 1 qui me plaît tout particulièrement. Donc voilà, ce sera vraiment les trois chevaux que je vous conseille pour s'amuser au niveau des bases. Mais sinon, si vous voulez faire des combinés, n'hésitez pas à faire mes 6 ou 7 premiers chevaux en i-multi ou en i-quarté, i-quinté. Je pense que c'est vraiment plus intéressant de faire des combinés que de prendre des bases. On va parler du Quintet Plus de ce jeudi soir qui s'est disputé sur l'hippodrome de Longchamp. Avec le 5 Galifa qui s'imposait devant le 7 Beautiful Aspen, le 6 Fiona, le 8 Nottingham et le 14 Astrologia. Bah écoutez, je vous indiquais dans cette rubrique le
Le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux seulement, tiercé dans l'ordre sur PMU.fr qui est affiché 360 euros quasiment, donc vraiment 5, 7, 6, 8. Je vous indiquais même le quartet dans l'ordre en 7 chevaux dans cette rubrique, il me semble. Donc voilà pour ce petit bilan du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection. Aussi une belle journée. Regardez Top Prono qui vous indiquait tiercé dans l'ordre et quartet dans l'ordre également, quartet dans l'ordre 1500 euros. Donc voilà une belle performance de sélection, même si Turf Sélection vous indiquait seulement le tiercé ordre, c'est vraiment pas mal. Et voilà quelques trios, comme vous le voyez, 605 euros un trio du côté de Top Prono. Voilà, pour vous abonner à nos deux rubriques, c'est simple, c'est à partir d'un euro par mois. Vous pouvez y aller directement sur le site turf-fr.com. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Je vous retrouve samedi pour un quintet plus qui sera pardon, dimanche pour un quintet qui sera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Si vous avez aimé cette minute quintet, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire et bénéficier d'un tirage au sort qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous. Bye bye.